Les responsables américains ont déclaré que Donald Trump envisageait également de réduire considérablement les effectifs en Afghanistan, alors qu'il défendait sa décision de faire quitter l'armée de la Syrie. Le président des États-Unis fait face aux critiques de son propre parti et du monde entier. Sur Twitter, il a estimé que les États-Unis avaient fait le travail d'autres pays, dont celui de la Russie et de l'Iran, et cela en obtenant peu de choses en retour, et qu'il était donc temps pour eux de se battre. Il a ajouté qu'il remplissait une promesse de campagne.